Allô Michel ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a que moi comme famille, je peux pas le laisser tout seul. Mais c'est où ton bled ? Dans le Morvan. Mes amis, je vous demande d'accueillir ma nièce unique et merveilleuse qui vient prendre ma place à la clinique. C'est quoi ces conneries, Michel ? Oh ! T'es trop jeune pour être vétérinaire. Ah mais je suis pas véto, je suis chercheuse. Nicolas, je suis l'associé de votre oncle. Moi, ça fait 5 ans que je cherche la relève. Jusqu'à 40 km, c'est notre territoire. Tout seul, j'ai aucune chance. Ma vie, elle est pas ici. Bon, maintenant, si tu préfères attendre une autre voiture, libre à toi. Mais sache quand même que là, on doit être à peu près au maximum du trafic. Tu vois bien qu'elle a pas les épaules. Sortie majeure de sa promo. Il est dépressif. Bah tiens. Dépressif? Mais de quel droit? Quelle idée aussi. Une femme veto. Tu sais que 80% des étudiants veto, c'est des femmes. Eh ben, on n'est pas sorti de la semoule. Voilà! Vous savez pas ce qu'elle m'a dit? Que si la vieillesse était une maladie, moi j'étais bonne pour me faire piquer la prochaine fois que j'avais un lumbago. C'est à qui? Oui, mais non, en fait, ça va, moi j'ai le temps, je suis pas pressée. J'en ai marre de réparer toutes tes conneries! Je vais pas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Mais stagiaire est prête? On fait quoi aujourd'hui? On suture, on plâtre, on défibrille? Ce métier, il est ni facile, ni prestigieux, ni bien payé. On soigne leurs compagnons, leurs amis, leurs gagne-pain. Les enfants qu'ils ont pas eus, les époux qu'ils ont perdus. Alors on les écoute et on les rassure. Je suis pas psy, moi. Si, ça fait partie du boulot. C'est reparti. Ça fait toujours ça? Sauver une vie? Bah reste, comme ça tu sauras.